J'aurais siégé ici près de 400 fois, en cette enceinte, en séance du conseil municipal ou en comité plénier. Et je me souviens de ma première impression en entrant ici il y a 14 ans. Cette salle est d'une beauté incroyable. À des visiteurs, je l'appelle mon mini-parlement. Le lieu sent l'histoire, le patrimoine, le pouvoir, le système parlementaire britannique, et de mon siège, elle sent aussi énormément la responsabilité. Je suis le 37e maire de Québec, Monsieur le Président, et très souvent, en siégeant ici, j'ai cherché les fantômes du lieu, comme au vieux forum, tentant de reconstituer comment les 36 maires précédents évoluaient jadis sur ma chaise. J'ai tenté de m'imaginer le passé, l'histoire, et en faisant cela, c'était par conséquent me rappeler mon privilège de siéger comme premier magistrat. Et vous savez, j'en ai visité des salles de conseil municipal en Europe, aux États-Unis et au Canada, mais jamais j'en ai découvert une qui rassemble les qualités de la nôtre. Historique, colorée et lumineuse, un bijou. Et lorsque je suis devenu maire, Monsieur le Président, trois de mes prédécesseurs vivaient toujours. Et ils sont tous, malheureusement, décédés pendant mes mandats. Et je me rappelle tristement cette salle convertie en salon funéraire. Et puisqu'on y est, je tiens à avertir ma ou mon successeur que j'ai bien l'intention de demeurer un ex pour très longtemps encore. Comprenons-nous bien, j'ai bien dit un ex, pas une belle-mère. Je dirais aussi à ceux et celles qui ont pu s'émouvoir de l'intensité des débats dans ce conseil qu'en fouillant l'histoire, on y découvre que les débats houleux ont été en tout temps, régulièrement, sinon souvent la norme. Et mes plus beaux moments, je les ai probablement vécus, n'en prenez pas ombrage, curieusement, dans mes deux premières années à la mairie, j'étais à l'époque minoritaire. Et dans l'opposition majoritaire, il y avait là les élus du RMQ, dont Yvon d'ailleurs, le président, je pense. J'étais donc toujours à la merci d'un vote majoritaire de celle-ci, l'opposition, alors des deux côtés, il fallait convaincre avec les meilleurs arguments. Défier un nouveau maire ou une opposition majoritaire, il fallait alors avoir du cran et de l'intelligence. Ce soir, je ne parlerai d'aucun dossier d'entrée de jeu. Je vais écouter mes collègues qui quittent comme moi et pour qui j'ai la plus haute estime et que je remercie à l'avance pour les années consacrées au bien collectif. Monsieur le Président, décider d'évoluer dans le service public, dans les services publics, n'est pas simple, et leur implication est noble et honorable. J'embrasse affectueusement ceux et celles de mon équipe qui quittent et ceux et celles qui poursuivent la route, et je leur dis que j'ai adoré. Travailler avec celles et ceux. Et je dirais à tous ceux et celles qui interviennent sur de multiples dossiers dans notre communauté que ceux et celles-là qui siègent ici, dans l'ensemble de ce lieu, sont sortis de leur confort pour faire partie pleinement du jeu démocratique et surtout du processus de décision. L'opinion, la participation et la mobilisation citoyenne ont bien sûr toutes les vertus, et c'est tout à fait sain dans notre communauté. À un moment donné, toutefois, il faut avoir le cran, un jour, de s'engager politiquement et exercer ce métier avec ce qu'il comporte de meilleur et de pire. Et ceux et celles qui tentent de le faire, peu importe les partis, ont mon plus grand respect. En terminant, je vous salue, Monsieur le Président, messieurs, dames, les officiers et toutes les personnes élues de cette Assemblée,
Je ne peux pas avoir... Je ne peux rien prononcer de partisan, mais je vous dirai à la blague. Bonne élection à ceux et celles qui se représentent, et surtout, que la meilleure gagne. Merci.